tous et bienvenue dans ce 12e et dernier numéro de la saison du JT de Newsweek. Au sommaire de votre épisode du jour, la Catalogne légalise le cannabis, du cannabis pour soigner les animaux, et la France peut-elle autoriser le cannabis médical ? Le Parlement catalan a voté fin juin pour la régulation de la culture, de la consommation et du transport de cannabis pour les adultes de 18 ans et plus, et une meilleure régulation des cannabis clubs. Cette décision majeure est une première en Europe qui survient après 3 ans de négociations. En 2015, un groupe partisan de la légalisation du cannabis en Catalogne, la Rosa Verda, a mis en ligne une pétition visant à réguler le cannabis. L'initiative législative populaire a ainsi obtenu près de 56 000 signatures, au-delà des 50 000 nécessaires à l'envoi de la proposition au Parlement, qui a donc fini par voter en sa faveur. Pour limiter le tourisme cannabique, le Parlement catalan a décidé des conditions d'accès au club, à savoir un délai de 15 jours après l'inscription avant de pouvoir acheter du cannabis. Toute personne âgée de 21 ans et plus pourra acheter jusqu'à 60 grammes de cannabis par mois. Toute personne âgée entre 18 et 21 ans pourra acheter jusqu'à 20 grammes de cannabis par mois uniquement. Ces conditions sont valables exclusivement pour le cannabis à usage récréatif. Les cannabis clubs seront eux limités à la production de 150 kg de fleurs séchées par an. La légalisation du cannabis en Catalogne pour les adultes a une portée remarquable. Au-delà de réformer les lois actuelles, elle ouvre la voie à un espoir de légalisation pour les consommateurs de cannabis du reste de l'Espagne et éventuellement pour les pays voisins. Alors que le cannabis médical reçoit de plus en plus d'attention, les propriétaires d'animaux commencent à se demander si leurs petits protégés pourraient également bénéficier des bienfaits du cannabis, en particulier du cannabidiol ou CBD. Aux États-Unis, un tiers des ménages auraient un chien ou un chat. L'industrie animalière propose aujourd'hui des produits à base de CBD, issus du chanvre en toute légalité. L'effet à long terme du THC sur les animaux n'est pas connu. En revanche, les utilisations du CBD sur les canidés seraient relativement similaires à celles de l'homme. Suite au succès des traitements contre l'épilepsie et la douleur articulaire sur l'homme, certains produits sont apparus en clinique vétérinaire. Canapet, une société américaine, a choisi cette niche de marché pour se développer. Approuvée par une étude du département de la santé du Colorado, Canapet propose des compléments alimentaires au CBD. Sous forme de capsules ou d'huile, les compléments alimentaires ne font pas la différence entre chien et chat. Si votre cheval traîne la patte, l'entreprise vous propose une maxi-dose pour aider votre animal. Ce produit est d'ailleurs disponible en France. Le dosage de ces produits doit bien sûr se faire selon les recommandations des personnes habilitées, comme chez l'homme évidemment. L'actualité du cannabis en Europe n'a jamais été aussi remplie que ces derniers mois. Après la Pologne et la Grèce qui autorisent l'usage médical du cannabis avec des circuits de production et d'approvisionnement qui restent à définir, la Catalogne a choisi de légaliser l'usage récréatif du cannabis et d'encadrer un peu mieux l'activité des cannabis social clubs. Pendant ce temps-là, en France, les malades utilisant illégalement du cannabis pour se soigner se voient toujours condamnés. Les récentes déclarations sur la contraventionnalisation n'incluent pas non plus d'exception pour l'usage thérapeutique. Que se passe-t-il dans la tête de nos dirigeants pour être si mauvais sur ce sujet? Ils n'ont pourtant qu'à regarder autour de nous. Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, République tchèque, Belgique, Suisse. Tous ces pays disposent d'un accès plus ou moins officiel à du cannabis à usage médical ou à une dépénalisation qui permet dans les faits cet usage. Ce n'est parfois que des produits médicaux à base de CBD contre l'épilepsie comme au Royaume-Uni, d'autres fois des fleurs séchées comme en Allemagne ou du sativex pour certaines pathologies lourdes. Mais en France, rien. Aujourd'hui, aucun indice ne permet de dire que cette ligne va bouger. Alors que faire? C'est simple, continuer à faire ce que nous faisons, soutenir les associations, partager les connaissances sur ce sujet et se mobiliser quand le moment sera venu. En attendant, le JT de Newsweek prend des vacances pour revenir à la rentrée. Bonnes vacances à vous si vous avez la chance d'en prendre et bon été à tous.